Teragi di tutu. Bonjour, bienvenue à cette émission spéciale TV Kodo, entièrement consacrée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC. Pour vous en parler, j'ai invité un spécialiste, Sylvestre Ouédraogo de l'association Yampoukri. Alors, Monsieur Ouédraogo, expliquez-moi, qui ne suis qu'une pauvre chèvre ignorante, qu'est-ce que c'est que ces NTIC? Bonjour, Chevrina. Bonjour. En fait, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qu'on appelle NTIC, rassemble plusieurs technologies. Et le point fédérateur, c'est le numérique. Avant, on utilisait le son, les images et le texte d'une manière séparée. Mais maintenant, on a pu les combiner ensemble grâce au numérique. Et on peut tout réduire à des chiffres. Ce qui fait qu'on peut tout mettre dans une clé USB, des livres, des chansons, des images, la vidéo. Waouh! Et à quoi servent-elles? Ah, Chevrina, ça sert à tout. Hein. On peut utiliser les nouvelles technologies pour communiquer, pour s'informer, pour se former. Et pour tout faire, en fait. Pour vous, agriculteurs, elle peut vous rendre des services que vous n'imaginez même pas. Cette émission est destinée à vous montrer justement quelques exemples d'utilisation de ces nouvelles technologies de l'information, les TIC, dans le milieu rural. Nous retrouverons tout à l'heure mon fidèle compas Raghi, qui doit être en reportage. Mais pour le moment, Sylvestre devant moi surfe sur un site internet, celui de Burkina NTIC. Monsieur Sylvestre, à quoi est destiné ce site? Et qu'est-ce qu'on y trouve? Ah, Chevrina, on trouve du tout. Et surtout, des nouvelles technologies pour le développement Burkina Faso. Donc, nous avons mis en ligne le site burkinantic.org afin de permettre aux Burkinabés de voir tout ce qui se passe dans le monde des nouvelles technologies, en particulier les séminaires de formation sur les nouvelles technologies, les ateliers de formation sur les nouvelles technologies, les rapports d'études sur les nouvelles technologies et même s'informer sur l'expérience et l'existence des cybercafés et tout ce qui concerne le monde des nouvelles technologies au Burkina et ailleurs. Et puis, on y apprend notamment que 5 structures se sont constituées en réseau avec le soutien de l'ONG IICD, entendez par là, Institut international pour la communication et le développement. Tiens justement, quels sont les objectifs de ce réseau? Pour le savoir, on va retrouver Raghi. Raghi, où est-ce que tu es? Bonjour Chevrina, merci. Et je me trouve actuellement au siège de l'association Yampoukri avec le coordonnateur du réseau TIC et Agriculture, M. Ferdinand. M. Ferdinand, bonjour. Oui, bonjour Raghi. Bon, comment ça va? Oui, ça va, merci. Et quels sont les objectifs du réseau TIC et Agriculture? Ok, d'accord. Je pense qu'il faut rappeler que le réseau TIC et Agriculture, c'est une branche de spécialisation du grand réseau Burkina NTIC, coordonné par Yampoukri, l'association Yampoukri. Alors, donc, les objectifs du réseau TIC et Agriculture s'inscrivent à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que le réseau TIC et Agriculture vise à créer une pool d'expertise au niveau national et même sous-régional. Deuxième niveau, le réseau TIC et Agriculture compte à travers ses membres et devenir très fort, un réseau très fort, et pour pouvoir mener des actions de plaidoyer, de lobbying auprès du gouvernement, ouais, pour vraiment défendre en fait les intérêts du monde agricole. Mm-hmm. Et le troisième niveau, le réseau TIC et Agriculture, et comme on le dit, c'est un réseau qui s'est constitué suite à un certain nombre de problèmes que les différentes organisations vivent. Et je passe par là, en soulignant que en fait, c'est un réseau qui est constitué et qui a été créé par 5 organisations. Oui, j'ai failli vous poser la question même tout à l'heure, mais bon, donc, qui fait partie du réseau TIC et Agriculture? Le réseau TIC et Agriculture compte à son sein présentement 5 organisations. Il y a l'Institut africain de bioéconomie rurale, qui accompagne un projet de système d'information sur les marchés, c'est-à-dire animé par des émissions télévisuelles qu'on appelle couramment TV Kodo, qui passe à la télévision nationale. Ah, ça, je connais. Oui, il y a l'ONG Sahel Solidarité,
qui est en train de promouvoir un projet de système d'information sur l'hygiène de l'eau. Et il y a la FEPASI, c'est-à-dire la Fédération paysanne des producteurs de la Sicilie, qui travaille effectivement sur des centres multimédia. Ouais. Et il y a l'association Parlaïri qui est en train de mettre en place une radio communautaire. Et enfin, il y a l'association Songtaba, Songtaba Yalare, qui a initié un projet sur le qualité, c'est-à-dire c'est la maison d'information et de promotion du qualité. Qu'est-ce que le réseau TIC Agriculture fait concrètement? Chacun a de l'expérience dans son organisation et comme vous le savez, et les difficultés que moi j'ai pu surmonter, l'autre organisation certainement n'est pas peut-être à ce niveau. Mais quand on se rencontre, l'autre peut profiter en fait de mes expériences et que, bon, à partir des problèmes que j'ai pu résoudre, les solutions peuvent profiter bon, à certaines personnes. Quoi. C'est ça un peu le partage de connaissances qui est vraiment la clé de voûte en fait de notre réseau. Monsieur Ferdinand, à qui est destiné le réseau TIC Agriculture? Tous autant que nous sommes, c'est-à-dire parlant en fait de nos organisations, alors nous travaillons tous pour le monde agricole. Alors donc si le réseau a été créé, c'est pour être encore plus proche en fait et de nos partenaires, qui sont en fait les paysans, les agriculteurs. Et nous pensons que un réseau constitué en fait dans ce sens pour promouvoir en fait les nouvelles technologies va en tout cas donner une valeur ajoutée certaine, c'est-à-dire au développement en fait du monde agricole. D'accord. Monsieur Ferdinand, je vous remercie. Merci, Lagui. Eh bien, voilà, Chivrina, je te remets l'antenne afin que tu continues ton plateau avec Sylvestre. Merci. Merci, Lagui. Merci, Ferdinand. On vous retrouve tout à l'heure. N'est-ce pas que c'est pas mal toutes ces réalisations du réseau TIC Agriculture, hein, Sylvestre? Ah, bien sûr, le réseau TIC Agriculture a fait beaucoup de réalisations. D'abord, il participe à toutes les activités publiques telles que le CIAO, le FESPACO, ainsi que d'autres, pour présenter ce qu'ils font comme réalisation. Ils utilisent les nouvelles technologies au profit du monde rural en utilisant les caméras numériques, en utilisant les appareils photonumériques et en sensibilisant les paysans à l'usage de meilleurs engrais, de meilleures productions. Donc, ils font énormément beaucoup de choses.